Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va lire dans cette séance un texte intitulé Le grain de riz sur le manuel page 144-145. On va essayer de le lire, on va essayer de le comprendre. Alors, comme vous le savez, le thème de ce module, c'est la solidarité. Alors, notre objectif, c'est lire et comparer deux variantes d'un conte moral traditionnel sur le thème de la solidarité. Mais avant, je veux vous rappeler c'est quoi la solidarité. Alors, la solidarité, c'est un lien fraternel, c'est une valeur sociale ou bien une obligation réciproque d'aide et d'assistance, de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe. Est-ce que vous vous rappelez la semaine de solidarité réalisée par notre école en faveur des enfants de l'orphelinat? Oui ou non? Bien. Alors, maintenant, prenez vos manuels, page 144-145. Observez la silhouette du texte. Ça veut dire quoi la silhouette? Les titres, les images, les paragraphes et tout. Alors, commençons par les images. Combien y a-t-il d'images? Il y a une seule grande image dans laquelle on voit un jeune homme qui est assis sur une chaise devant une grande table rouge. Il semble qu'il est très triste, qu'il est très malheureux. Le titre de ce texte est « Le grain de riz ». Ce texte est pris, est extrait d'un conte intitulé « Toujours le grain de riz », écrit par Alain Gossel. Alors, à votre avis, de quoi va parler ce texte? Réfléchissez et ensuite, vous faites une lecture silencieuse. Alors, maintenant, je vais vous lire le texte. Il était une fois un jeune homme qui était très pauvre. C'était le 31 décembre, le dernier jour de l'année, et d'habitude, ce jour-là, on fait un bon repas. Elle s'est dit, « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine ?» Elle va dans la cuisine, il ne lui restait plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait. Rien, rien, rien. Elle avait une vieille, vieille table en bois. Il tire le tiroir de la table et là, qu'est-ce qu'il trouve coincé dans une fente de tiroir? Un grain de riz. Il se dit, je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. Je vais le faire cuire. Ça me fera passer le temps et puis quand il sera cuit, je le sucerai lentement, lentement. Mais pour faire cuire son grain de riz, il lui fallait une casserole. Elle était tellement pauvre qu'il n'avait plus de casserole. Elle avait déjà vendu toute sa vaisselle. Elle va trouver son voisin. Tu peux me prêter une casserole? J'ai du riz à faire cuire pour ce soir. D'accord, dit son voisin. Je te passe une casserole. Laquelle veux-tu, la petite ou la grande? Moi, on m'a dit pour faire cuire le riz, pour qu'il ne colle pas, pour qu'il n'attache pas, il faut le faire cuire dans beaucoup d'eau. Donne-moi la grande casserole. Le voisin se dit, il doit avoir beaucoup de riz. Moi, j'ai la flamme de me faire à manger ce soir. Je viendrai bien manger avec lui. D'accord, je te prête la casserole, mais ce soir, je viens manger avec toi. D'accord, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Pour faire cuire le riz, il fallait mettre de l'eau dans la casserole. Il n'en avait pas, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Il fallait aller chercher l'eau à la fontaine. C'était à 800 mètres. C'était l'hiver. Il faisait froid. Pour tirer l'eau de la fontaine, il y avait une pompe à main. Il y avait du rhumatisme. Il avait la flamme d'y aller. La voisine, elle va bien me passer un peu d'eau. Bien.
Alors maintenant, vous avez bien écouté le texte. Alors, à votre avis, de quoi parle ce texte? Alors, pour cela, on va essayer de répondre ensemble à ces questions. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont un jeune homme pauvre et son voisin. Quand se passe la scène? Alors, elle était une fois. Elle était une fois, c'est une expression qui indique le passé. C'est le temps des contes. Mais le jour est donné. Ils ont dit que la scène est passée le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Où se passe la scène? Est-ce qu'on sait où se passe la scène? Ou bien le conte? Non, on ne le sait pas, mais on comprend que c'est dans un village, parce qu'il n'y a pas d'eau courante dans les maisons. Il faut aller chercher l'eau à la pompe. Que se passe-t-il dans ce texte? Le jeune homme n'a rien à manger, sinon un grain de riz. Il n'a rien, non plus pour le faire cuire. Il va trouver son voisin pour lui emprunter une casserole. Le voisin accepte, mais à condition de venir manger avec lui. Et maintenant, et pour finir la compréhension, je vais vous poser d'autres questions d'analyse pour bien comprendre le texte. La première, observe la mise en page du texte depuis il va dans la cuisine jusqu'à rien, rien, rien. Comment cette mise en page montre-t-elle que le jeune homme est très pauvre? Alors, je vais vous lire cette partie. Il va dans la cuisine. Il ne lui restait plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait. Rien, rien, rien. Alors, cette liste commence par il ne lui restait plus rien. Il se termine par pas de lait. Et le paragraphe s'est terminé par rien, rien, rien. Alors ce jeune homme n'a rien dans la maison. Il n'a ni de pommes de terre, ni de spaghettis, ni de couscous, ni de haricots, ni de lentilles, ni de pain, ni de sucre, ni de chocolat, ni de lait. Alors, la mise en page ressemble à une liste de courses de produits de base dont tout le monde a besoin pour se nourrir. Chaque ligne commence par pas et deux, pas et deux. Il est répété 9 fois. Alors, la mise en page commence par plus rien et se termine par rien. Et ce qui indique que ce jeune homme est très pauvre et qu'il n'a rien à manger. Pour la deuxième consigne, explique pourquoi le voisin se dit il doit avoir beaucoup de riz. Relève les mots que le lui ont fait croire. Le jeune homme demande une casserole et choisit la grande. Il ne dit pas j'ai un grain de riz à faire cuire, mais il a dit j'ai du riz à faire cuire. Et ensuite, dans une autre phrase, il dit pour qu'il ne colle pas. Est-ce qu'un grain de riz peut coller? Donc, automatiquement, le voisin comprend que le jeune homme a beaucoup de riz à faire cuire et qu'il peut donc s'inviter à manger. Très bien. Alors, pour la troisième question, pour quelle raison le jeune homme ne va-t-il pas chercher lui-même de l'eau à la fontaine? Lisez le dernier paragraphe, vous allez trouver la réponse. Alors, le jeune homme est malade. Il a du rhumatisme. Et il fait froid, c'est l'hiver. Il ne peut pas se déplacer pour chercher de l'eau. Parce qu'il est très malade. Bien. Alors, il faut tirer l'eau avec une pompe à main, ce qui sollicite beaucoup les articulations du bras, du poignet, des doigts. Et lui, il a du rhumatisme, il ne peut pas faire ça. Bien. Alors, c'est presque la fin de cette
vidéo, bien de cette séance de lecture. On se verra, Inch'Allah, ou bien rendez-vous prochain pour la deuxième partie de ce texte. Et à très bientôt.